vous avez la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie le ce 17 octobre, de 17 mai. Et voilà, voici le stand du Gyrophare avec la journée du... Et voilà. Voilà le petit pique-nique que nous avons organisé à midi avec le stand du Giro. Voilà. Voilà son président. Vous voyez, des personnes qui sont avec le drapeau. Voilà le stand du Giro. Ah oui, c'est des trucs.
aussi. T'es pas lesbienne, je te rappelle. Je te
interdit. Pour l'enfant, j'ai senti une différence en moi. Et au début, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. En fait, j'avais déjà des... Malgré mon apparence de petit garçon, j'étais déjà attiré par les comportements féminins, par les vêtements féminins, les filles, etc. Et arrivé à l'adolescence, ça s'est aggravé. J'avais besoin absolument de m'habiller, de temps en temps comme une fille, etc. Donc jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vécu avec, je dirais, bon gré, mal gré, sans trop savoir ce qui se passait en moi. Dès que je suis arrivé dans l'âge adulte, plus c'est devenu une souffrance, quoi, parce que j'avais vraiment besoin de me réaliser en tant que femme, et du coup j'avais vraiment l'impression de vivre enfermé dans le corps d'un homme. Plus j'avançais dans l'âge, plus je me sentais en fait l'apparence virile et masculine, et là ça allait. Quoi. J'ai rencontré une femme à l'université qui était dans la promo, dans la même école d'ingénieur que moi, donc on s'entendait bien, on a décidé finalement de vivre ensemble, de se marier. À un moment donné, souhaitait un enfant, donc moi j'étais ravi, on a eu cet enfant. Et un peu le deuxième, et pourquoi de toute façon, après cela, pour moi, les ennuis ont vraiment commencé. C'est-à-dire qu'après la naissance de ma fille, je me suis enfoncé davantage dans la souffrance. Autant je pensais que finalement la naissance de ma fille serait peut-être symboliquement la manière, une certaine manière de prendre ma féminité, en fait. C'est-à-dire que l'arrivée de ma fille, ce serait peut-être une symboliquement une concrétisation de ma féminité, qu'après l'arrivée de la naissance de ma fille, finalement, je pourrais assumer une vie d'homme. Et en fait, il n'en a rien été. C'était au contraire pire. Je me suis senti bafoué dans le rôle de... m'a piqué mon rôle de mère. Enfin, donc c'est... Pour moi, je me suis enfoncé, quoi. Donc, dans mon cas, était quand même une véritable libération. Et que j'ai pas du tout du mal à assumer. Donc, effectivement, j'ai bien expliqué sur les chances-là. On a envoyé une lettre à tous mes collègues. Ils m'ont bien me répondu avec des soucis. Encouragements, du soutien, c'était très puissant d'ailleurs. Mais bon, il y a eu des expliquements par oral, pourquoi, comment, et on a tenu sur les échéances. Et donc, arrivé à la résolution de 2016, c'est ce qui coïncide avec le démarrage de mon âge. Et
le champ est si fait, le protocole médical est si fait qu'il faut vivre pendant plusieurs années en portable avant d'accéder à l'opération. Donc, une passion dans mon cas est quand même une véritable libération. Et que j'ai pas du tout du mal à assumer. Donc, effectivement, j'ai bien discuté sur ces chances-là. On a envoyé une lettre, j'ai envoyé à tous mes collègues, ils m'ont bien me répondu avec des encouragements, du soutien, c'était très touchant. Mais bon, il y a pas eu des suites pour le moment, par oral. Pourquoi, comment, on a aussi les échéances. Et donc, arrivé à la résolution de 2016, c'est ce qui coïncidait avec le démarrage de traitement hormonal. Alors c'est questionnaire ? Fais voir ça. Combien ? Une dizaine ? Ouais. Des jeunes ? Tout âge. Tout âge ? Tout âge. Et au niveau des réponses ? Ils ne sont pas trop calés que pour Internet. Ils ne savent pas que c'est Internet qui est toujours en premier. On va voir ça. Souvent, c'est à deux. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont répondu en cours ? On va voir ça. Des fois, ça arrive. C'est à deux. En deuxième. C'est rare en premier. Quoi. Ouais. En troisième. Non. La plupart, ils ont répondu juste. Oui. Sauf sûrement la dernière question, voilà. Laquelle s'est un peu mélangée. Ouais, l'association. Voilà. Voilà, souvent il marque 2 Internet, on peut comparer avec les autres, vas-y, compare. 2, vas-y, il y en a qui répondent 2. Après ils répondent quoi ? 3, non c'est pas 3, après ? Non, c'est Internet. Ouais. Là, c'est Internet. Ouais. Ah, sur Internet, ouais, parce que. Il y a très peu qui ont répondu le 1 Internet. Oui. Alors, pourtant, le numéro 1, c'est Internet. Oui, il y a pas mal quand même, toi. Bon, la première question, il faut dire que c'est facile. Ouais. Ouais. Dans le public. Ouais, mais disons que les gens confondent. Ils confondent, ouais. Ils sont pas mal. Je crois qu'ils s'imaginent que les agressions de femmes dans le public, ben, ouais. C'est non. Ben, voilà quoi. Ça a bien donné. En tout, tu en as fait, si je me trompe pas, une trentaine. Ouais, à peu près, ouais. C'est ça. C'est bien. Hein. C'est bien. C'est ça être vendeur. Au moins, tu as contribué à la journée. C'est ça. Je vais être fier de toi. Merci, c'est gentil. Voilà. Beaucoup de questionnaires ont été remplis. J'en ai que 2 qui sont pas remplis. Et voilà, des discussions assez intéressantes avec les gens sur ce qu'est l'homosexualité, la transsexualité. Ouais. Des critiques, manque de. Ben pour certains gens, c'est beaucoup manque de visibilité au niveau des homos, des lesbiennes. Ils s'aperçoivent que les lesbiennes passent beaucoup mieux que les homos et que les trans. Et que, en fin de compte, que cette journée est c'est une bonne lutte, mais que ça devrait se faire beaucoup plus souvent. Et au niveau des réponses, c'était au niveau des réponses, sont un petit peu générales. Il y en a qui se sont trompés, surtout sur la dernière. Bon, en général, apparemment, ils ont bien répondu. J'ai vu ça avec mon collègue. Oui, en général, ils ont bien répondu, mais ce qui se passe. Est-ce que ça les a interpellés ? Est-ce que le sujet les a intéressés ? Est-ce que ça les a interpellés ? Ils se sont posé des questions, et c'est vrai que là, sur les dernières personnes que je viens de faire. Comme elles faisaient du droit automatiquement, elles sont en licence de droit et elles se posaient la question par rapport aux lois, par rapport à tout ça, comment ça faisait. Et quand ils ont vu le questionnaire, elles étaient étonnées que les lois aient changé autant. Et on avait dit, alors au niveau des critères, tu as dit plus des jeunes ? Des jeunes. Hommes, femmes. Beaucoup d'hétéros, des couples ? Des couples, des hétéros. D'accord. C'était pour savoir. Des lesbiennes aussi. Et qui se sont intéressés sur le sujet quand même ? Oui, aussi. D'accord. Bon, voilà. C'est ça. Très bien. Merci. De rien. Au revoir. À bientôt. Au revoir.